Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut savoir se satisfaire du nécessaire. Un peu d'eau fraîche et de tchubby n'est pas les paroles dans la tête. Mais cette terre est quand même bien présente en nous. Eh oui, je chante fort, mais c'est pas très grave. Il est 6 heures du matin et je vais travailler. Ça ne m'était pas arrivé depuis bien des années. Et voilà que maintenant je vais accumuler des heures. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être savoir se satisfaire du nécessaire. Un peu de chubidoulila et du chubidoucilula. Ah là là, que faire quand on a une femme qui se prend pour une héroïne parce que, sans déconner, est-ce que c'est encore ma femme? Je sais pas. En même temps, ça fait un an qu'on se connaît depuis un an et ça fait un an que je me pose la question, est-ce que c'est encore ma femme? Deuil. Tu m'expliques pourquoi? Non, tu m'expliques rien. J'en ai marre de son côté adolescent puéril. Je vais dénoncer publiquement. Arrête de parler de mon fils sur les réseaux sociaux, s'il te plaît, sois gentil. Qu'est-ce que tu vas dénoncer publiquement? Je sais pas ce qui s'est passé sur son compte depuis qu'elle m'a bloqué sur Facebook, mais le dernier post que j'ai pu lire, c'était « Oh, je vais bientôt parler de tout ce qui s'est passé. » Pourquoi tu veux parler de tout ce qui s'est passé? Aïe, aïe, aïe. Pour faire la... Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? C'est simple. Elle est tombée avec des robots protocolaires qui croient agir dans l'intérêt supérieur de l'enfant, du début à la fin de la chaîne. Ils sont tombés sur des parents conditionnés au complot, convaincus d'agir dans l'intérêt de l'enfant. Dans l'histoire, tout le monde est innocent. Et au final, certes, c'est un enculé procureur qui nous l'a placé 10 jours, mais on l'a récupéré au bout de 10 jours, quoi. Tous les maillons de la chaîne ont été honnêtes, mis à part à un moment le juge qui a couvert le tribunal et qui a dit au greffe de pas noter dans son rapport que le tribunal, ouais, l'hôpital, le juge a couvert l'hôpital, demandant au greffe de pas inscrire dans le rapport qu'ils avaient raté la ponction lombaire 3 fois. Et c'est vrai que le fait que tout soit écrit en rapport, ça grossit, ça dénature les événements qui se sont réellement produits.
bref. J'aimerais plutôt que tu parles du fait que ton putain de papa, le putain de papa de ton fils, m'empêche de voir mon fils. Que toi, tu utilises cette situation pour être une femme complètement tarée, autoritaire, invectiveuse, et que quand madame on l'écoute pas, elle se met à partir en caprice et à dire profite bien d'être avec ton fils. Genre, ça arrivera pas demain la veille, quoi. Obligé de passer par le juge pour reprendre mon gamin de tes putains de griffes. À faire la mère parfaite. Tu te donnais des coups de poing dans le ventre de souvenirs, sans déconner. Putain d'adolescente de merde. Imagine une seconde que la situation s'inverse. J'ai mon fils. T'as le droit de te déplacer à Tahiti, te loger, trouver du boulot, tout ça, tout ça. Et je te bloque de partout. Et je te dis, va voir un juge pour ton fils. Dis-moi dans quel état tu serais, espèce de gros niaiseux. Parce que c'est dans cet état que vous me mettez, et je croyais que vous vouliez l'égalité homme-femme, sans déconner. Où est l'égalité dans notre relation? Sois un peu honnête, c'est tout pour toi, rien pour moi. Ça a toujours été comme ça dans ta putain de tête. J'ai réécouté une vidéo, une bande son. Une discussion. C'est que tu me dis ça juste avant de tomber enceinte. Un jour, il faudra vraiment que fasse une compile toutes les voix de Audrey que j'ai enregistrées. Comment tu affiches des masques, quoi? Chose comme tes parents. Tant qu'en apparence tout va bien, on s'en fout si on est sur le Titanic. L'essentiel, c'est de préserver la forme. Les faux culs. Il est où l'être authentique?
2000 ans après, vous continuez à clouer Jésus sur la croix, quoi. Vous avez toujours rien compris. Bande de juifs qui s'ignorent. J'en ai assez dit. Vamos a trabajar. Anna tout le monde.